Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. Grippe, rhume, feu sauvage et fatigue, c'est le lot de plusieurs. Puis ça, c'est avec l'arrivée des températures qui vont être un petit peu plus fraîches. Hein. On le remarque déjà le soir, ça commence à baisser un peu la température. C'est plus frisquet. Bien, il y en a plusieurs qui malheureusement vont contracter des rhumes ou d'autres infections qui affectent le niveau d'énergie. Est-ce qu'il y a des aliments sur lesquels on pourrait mettre l'accent pour booster un petit peu notre système immunitaire? On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Salut Isabelle! Allô, Marie? Allô, ben oui, c'est ça, on le sent, là, que c'est... écoute, on n'est même pas sorti du mois d'août, puis on sent déjà, malheureusement, l'automne qui est un petit peu à nos portes. Puis c'est la grande question qui revient souvent, tu sais, comment on peut... Tu sais, c'est quoi ton premier conseil, dans le fond, pour venir s'aider à lutter contre certains virus, certaines bactéries? C'est sûr que c'est une période où il y a moins de soleil, il y a des changements de température, on est plus fatigué aussi. Donc, ça va venir avoir des conséquences sur notre système immunitaire, là. Absolument. Puis mon premier conseil, ça serait vraiment, Marie, de prévenir les carences nutritionnelles, parce que c'est certain que si on a un état de malnutrition, si par exemple on mange pas suffisamment de protéines, pas assez de fer, pas assez de zinc, tout ça, ça va faire en sorte qu'on est beaucoup plus sujet à attraper rhume, grippe, là c'est le retour de la COVID aussi. Ça ne veut pas dire que bien manger va nous protéger complètement des virus et bactéries, on le sait, mais ça donne un coup de pouce. Puis on le sait, en vieillissant, on a un phénomène qu'on appelle l'immunosénescence. Donc, c'est vraiment une chute du système immunitaire avec l'âge. On a vu que beaucoup de personnes âgées, notamment, ont attrapé la COVID. Donc, c'est un phénomène qui est naturel, mais en même temps, on voit souvent chez les personnes vieillissantes un manque d'appétit qui fait en sorte que, puis on l'a vu dans les résidences également, que les gens ne mangent pas suffisamment. Donc, si on ne mange que 1000-1200 calories par jour, c'est clair qu'on rencontre pas les besoins en protéines, en vitamines, en minéraux. Donc, cet état de malnutrition-là, ça peut juste affecter le système immunitaire. Donc, on dit, on veut bien manger, comment on fait pour savoir si on a une carence? Bien, c'est les recommandations que j'ai données tout au long de l'été. 2 à 3 fruits, 5 à 7 légumes, 3 à 5 produits céréaliers à grains entiers, du poisson 3 fois par semaine, de manger des noix, des graines régulièrement. Donc, si on met ça de l'avant, on n'a pas besoin de tout calculer, d'écrire son journal et puis de calculer si on rencontre ses besoins en vitamines, en minéraux, en fer, en protéines, en macronutriments, etc. Mais ça serait vraiment mon premier conseil, prévenir les carences, manger varié. On le dit souvent, puis c'est une belle façon de faire provision d'un éventail de vitamines et de minéraux, là. Puis est-ce qu'il y a des aliments spécifiques qu'on peut vraiment... Tu sais, est-ce que ça peut vraiment faire une différence? Parce que, bon, tu as toutes sortes de mythes alimentaires autour du detox, entre autres, mais il y a aussi plein de choses qui se disent au niveau de, oui, tu peux booster ton système immunitaire en mangeant certains aliments. Est-ce que c'est vraiment le cas? Puis c'est quoi ces aliments-là, si c'est le cas? Ben, booster, c'est un terme peut-être un peu trop fort. Moi, je dirais moduler le système immunitaire. Puis oui, il y a des études, là. J'ai fait une petite revue de littérature. J'ai trouvé des aliments spécifiques qui ont quelque chose en particulier. Souvent, c'est un profil vitaminique ou même des antioxydants spécifiques. Par exemple, les agrumes. Dans les agrumes, on a beaucoup de vitamine C. Est-ce que ça veut dire que l'orange est meilleur que les fraises qui sont riches en vitamine C? Pas nécessairement, mais bref, la vitamine C, c'est vraiment un allié du système immunitaire. C'est pas pour rien qu'on voit plein de monde acheter des suppléments de vitamine C. Puis là, ils prennent bien au-delà de leurs besoins en vitamine C en pensant qu'ils n'auront pas de rhume, de grippe, de COVID l'année. Ça protège pas vraiment, d'après les études, là. C'est pas parce qu'on prend 500 mg de vitamine C par jour qu'on va se protéger. Par contre, les aliments riches en vitamine C, eux, font une différence. Donc, d'avoir des kiwis, des fraises, des agrumes dans le quotidien, c'est vraiment recommandé. Mais l'agrume a un petit quelque chose de plus, c'est des bioflavonoïdes. Et ça, on a vu durant la COVID, et puis là, on voit qu'il y a une recrudescence de COVID avec l'automne qui arrive. Bien, ces bioflavonoïdes-là ont été beaucoup étudiés. Bon, c'est pas miraculeux, mais ça donne un coup de pouce au système immunitaire aussi, puis ça, on trouve ça essentiellement dans les agrumes. Donc, mon conseil pour l'automne, là, ce serait d'avoir soit une orange, soit 2 clémentines, soit un demi-pamplemousse
tous les jours. Comme ça, ben, on s'assure de rencontrer besoin en vitamine C. Et en plus, on a des bioflavonoïdes. Je continue avec les autres aliments, absolument. Parfait. Les champignons. Les champignons font partie vraiment de la médecine traditionnelle chinoise. Au Japon, on en consomme énormément aussi. Beaucoup de bouillons avec des champignons. Quand on va dans le quartier chinois notamment, on se rend compte qu'il y a plein de champignons qu'on consomme pas vraiment et qu'on connaît peu. Et là, on commence à voir apparaître des champignons dans toutes sortes de suppléments. Il y a le reishi, le maitake, le shaga, qui sont des champignons hyper populaires actuellement, qu'on trouve un petit peu plus sous l'état de supplément que l'état frais. Mais à l'état frais, le champignon qui a fait ses preuves, c'est le shiitake. Champignon shiitake, plus que le champignon de Paris ou champignon blanc, là. C'est vraiment un champignon qui aurait des propriétés sur le système de défense naturelle. Donc, de manger. C'est la même chose, Isabelle, de le prendre en. Tu sais, souvent, on voit ces champignons-là séchés, entre autres, pour ajouter dans des bouillons. Ça fait-tu la même chose? C'est-tu quelque chose qu'on peut avoir sous la main? C'est peut-être plus facile, là? C'est plus facile un bon risotto avec des champignons séchés qu'on réhydrate là, c'est toujours gagnant. Donc effectivement, c'est une belle solution donc de manger cet automne un petit peu plus de champignons et le point 3 et 4, les aliments riches en fer, parce qu'on a parlé de l'anémie cet été ensemble. C'est sûr que si on fait de l'anémie par carence en fer, essentiellement, ça peut être une carence en B6 ou en B12 aussi, on est faible, on est plus fatigué. Quand on est plus fatigué, quand on est plus faible, on est beaucoup plus à risque d'attraper un virus ou encore une intoxication alimentaire. Donc, la même personne va consommer un mets contaminé. Il y a quelqu'un qui peut avoir une gastro-entérite, tomber malade, et l'autre est plus résistant. Donc, l'alimentation, c'est pas tout, mais ça peut quand même faire une différence. Donc, des aliments riches en fer, un petit peu de viande ou encore des légumineuses avec une source de vitamine C pour maximiser l'absorption. Il y a également le zinc. C'est la mode, les suppléments de zinc. On s'est rendu compte dans les études que les aliments riches en zinc modulent le système immunitaire, mais quand on prend un supplément de zinc en trop grande quantité, ça peut supprimer le système immunitaire. Ce qui m'amène au point que trop, c'est jamais intéressant. C'est tout le temps dans la modération. Par exemple, on sait qu'il y a des vitamines qui sont super intéressantes, la vitamine E, mais quand on prend des suppléments, c'est moins intéressant parce qu'au contraire, ça peut augmenter le risque de cancer chez certaines populations. Donc, trop, c'est jamais... Tu sais, je vois les gens partir là des suppléments. Il y en a qui prennent 5, 6, 7 suppléments le matin. C'est quoi la synergie des suppléments ensemble? On le sait pas. Faut être prudent quand même dans la prise de suppléments. Et je compléterai avec l'ail et l'oignon qui contiennent des composés soufrés, antibactériens, antifongiques. Donc, il y a toutes sortes de composantes actives, bioactives dans l'ail, l'oignon, le poireau également. Donc, ça, on pense au potage d'automne, c'est parfait avec de l'ail, de l'oignon, c'est réconfortant aussi. Et il y a quand même des propriétés sur le système immunitaire. Puis justement, tu parles de suppléments. Là, je suis contente d'entendre. Toi, c'est une des questions que je me posais si ça valait le coup d'aller. Parce que là, on a parlé beaucoup justement de toutes nos chroniques cet été de s'assurer d'avoir bon du zinc, du magnésium, du fer, du nanan. Puis tu sais, des fois justement, t'as des espèces de capsules, tout fait. Mais tu sais, bon, là, tu dis prudence quand même avec ça. Mais les probiotiques aussi, est-ce que c'est intéressant d'aller vers ça? Vraiment, vraiment. Et j'ai jeté un coup d'œil au guide clinique des probiotiques vendus au Canada. Donc, c'est vraiment ceux qui ont des études à l'appui sur des souches particulières. Et il y a différentes catégories. Donc, si j'ai le syndrome de l'intestin irritable, il y a 3-4 suppléments de probiotiques qui sont recommandés. Si je veux prévenir le C difficile parce que j'ai une opération, je sais que je m'en vais en milieu hospitalier, c'est du Bioca, par exemple. Et pour les maladies infectieuses transmises dans la communauté, ben là, il y a différents probiotiques qui ont fait leur preuve. Le Lactobacillus plantarum, le Paracasei, le Ruteri, le Rhamnosus, puis il y a différentes marques. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller sur le guide clinique des probiotiques. C'est très simple à trouver. Et c'est vraiment là qu'on va voir quelle marque
peut faire une différence. Et il y a le kéfir également qui est intéressant. Il y a le Danactive sur les tablettes d'épicerie qui contient une souche de lactobacillus casei qui a été étudiée justement notamment chez les enfants. Et dans le guide clinique, ben on va vraiment distinguer les probiotiques utiles chez les adultes et les probiotiques utiles dans une communauté pédiatrique, par exemple, où ça, les doses sont différentes. Mais oui, les probiotiques, ça peut vraiment faire une différence parce qu'il y a une bonne partie du système immunitaire, Marie, qui part de l'intestin. On sait qu'il y a une partie de la sérotonine, on a parlé de la santé mentale, mais il y a également le système immunitaire est vraiment dicté par l'équilibre de notre microbiote. Donc, d'avoir des probiotiques, ça peut vraiment jouer en notre faveur. Puis, je dirais vitamine D. Tu as commencé la chronique en disant on va moins au soleil. La vitamine D, c'est une vitamine pour l'immunité extraordinaire. Une journée comme aujourd'hui, puis il va en avoir plusieurs au cours de l'automne, mais prendre un supplément de 1000 unités internationales de vitamine D, c'est vraiment conseillé. Puis en terminant rapidement, Isabelle, est-ce que tu suggères aussi des suppléments naturels? Ben, il y a le ginseng, il y a l'échinacée. Il y a eu quand même beaucoup d'études. Le ginseng, c'est encore médecine traditionnelle chinoise. On l'utilise beaucoup. Dans les suppléments, c'est plus la qualité. Quelle est la qualité du supplément? Est-ce que c'est les doses sont standardisées? Donc, s'assurer qu'il y a un numéro de produits de santé naturelle, donc légiféré par Santé Canada pour s'assurer qu'on a les quantités qui sont vraiment selon les normes. Puis bon, dans la littérature, effectivement, l'échinacée sur le rhume, le ginseng sur l'énergie, système immunitaire, on a quand même quelques études, là, mais les doses restent à préciser. Bon, ben nous voici prêts pour l'automne et toutes les petites maladies qu'on est susceptible d'attraper, les petits virus et bactéries. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci beaucoup pour tes conseils. Oui, à demain pour le quiz. Ouais, je suis prête. C'est bon, à demain. Bye.